L'Anchaumois, petite ville non loin de Moret, accueille ce week-end la fête du Haut-Jura. Placée sous l'artisanat, sous toutes ses formes, à l'ancienne, plus moderne, mais également sous la forme d'écologie avec une grosse action sur la récupération des déchets. Et nous vous proposons de nous accompagner pour visiter une fête typiquement jurassienne. Thank you.
Avant Chez, oui, Genève. Ah, sur le câble. C'était une petite fleur. Monsieur Grenier-Godard, maire de Longchaumois, j'aimerais que vous me présentiez votre ville d'abord. C'est un village plus qu'une ville. Nous avons une commune d'environ 1000 habitants qui se situe entre Saint-Claude, Morée et Les Rousses, pour que nos amis suisses arrivent à situer un peu mieux. C'est une commune qui vit d'une manière à peu près équitable du tourisme, de l'agriculture et de l'industrie, et qui, ma foi, a eu une croissance relativement intéressante dans ces dernières années, puisque entre les deux recensements, nous avons eu une progression de 28% de notre population. Donc ça dénote un certain dynamisme. C'est exact. Encore que nos problèmes d'enclavement routier, hein, il est vrai que nous sommes au plus près à une heure de toute autoroute, côté suisse comme côté français, et qu'il faudra qu'un jour une solution soit donnée à ce problème et que la Nationale 5, sur laquelle des travaux sont inévitables, le soit également en direction de Genève. Donc ce désenclavement apporterait peut-être une nouvelle ressource économique aussi à la région? Très certainement, et dans la prise de décision du conseil municipal concernant l'intercommunalité qui nous est imposée par la loi de 1992, nous avons choisi, en sachant que c'était plus ou moins réaliste, mais nous avons choisi de nous intégrer dans un ensemble qui irait d'Oyonnax à Morée. Il est évident que si nous arrivions déjà à faire Saint-Claude-Morée, ce serait une bonne chose pour nous, mais le glissement sera inévitable et le mélange des techniques font que plastique et métal, en particulier au niveau de la lunette, amènera obligatoirement un transfert d'unités et de qualification. Parce que je crois que la région s'est appelée la capitale de la lunetterie en France. Chez vous, vous avez la vallée de Joux qui est l'horlogerie. Chez nous, nous avons effectivement la lunette. Et avec les mêmes problèmes liés à la mono-industrie. Et c'est quand même pour nous tous une source d'inquiétude. La lunette va mieux. Nos industriels sont performants. Mais il faut certainement voir plus loin. Oui, puis il ne faut jamais cesser de se battre et de progresser parce qu'autrement on stagne et on recule. Je crois que M. le Président du Conseil Général l'a dit tout à l'heure à l'occasion du vin d'honneur, le tempérament des Chaumerins est bien celui que vous venez de décrire. Alors, Longchaumois accueille cette fête du Haut-Jura pour la seconde fois et je l'ai appris, vous l'avez organisée en l'espace de 7 mois. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots de plus sur cette fête? Oui, très volontiers. Les circonstances ont fait que la commune qui était preneur s'est vue dans l'obligation de se désister. Et compte tenu des délais qui étaient impartis pour la mise en place, il est vrai que mes collègues se sont posés des questions et que nous l'avons pris parce qu'il y avait un défi à relever. Et nous observons en tout cas que malgré un temps qui est pour le moins incertain, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je crois que le pari est réussi. Il est dépassé. Il est dépassé puisque si l'on s'en tient aux chiffres qui viennent de m'être donnés par le chapiteau, au niveau des repas, nous avons déjà très largement dépassé ce qui avait été fait l'année dernière et qui paraissait considérable. Une expérience pilote très intéressante sous le chapiteau, c'est le tri des déchets par les gens lorsqu'ils ont fini de déjeuner. C'est à peu près unique, je crois que c'est la première fois que ça se fait.
Oui, mais nous sommes une région touristique qui subit, non pas les dommages causés par les touristes, mais il est vrai qu'un certain laxisme existe et que si nous voulons conserver notre pays dans l'état que nous souhaitons, il y a une éducation à apporter aux gens et c'était une bonne occasion pour le faire. Eh bien, en tout cas, je vous remercie de ces quelques mots, monsieur le maire, et je vous laisse maintenant à vos obligations officielles. Je vous remercie. De l'Anchois, vous avez la parole. Monsieur le sous-préfet, monsieur le président du conseil général, monsieur le conseiller régional, messieurs les conseillers généraux, monsieur. Messieurs les maires, Monseigneur, chers amis, vous me permettrez de présenter les regrets et les excuses de M. le préfet de région, de M. le préfet du Jura, de M. le président du Conseil général demain, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est présent aujourd'hui à la fête du Jura, présente toutes ses excuses et remercie les organisateurs pour l'invitation qui a été faite. Mesdames, Messieurs, cette 17e édition de la fête du Jura est déjà un succès, malgré une météo un peu bleue, et elle est à plusieurs niveaux. Le Jura. Petit département dans une France petite au niveau de l'échelle de notre continent. Et peu connu, comme le soulignait le reporter de France Inter dans l'émission consacrée à l'Anchois vendredi dernier. Cette fête devient une opportunité de reconnaissance au-delà de nos limites naturelles. Et si le principe de l'accueil par un village différent chaque année
n'est pas unique dans son genre, puisque en Bourgogne, on connaît la Saint-Vincent-de-Blanc. Il est particulièrement efficace pour sa notoriété. La parole, M. le Président de l'Adage, pour l'accueil de la remise des clés à nos sélectionnés. Déjà assez long, sans remettre donc là notre traditionnel souvenir de cette fête du Haut-Jura à nos trois mères. Donc, bien entendu, vous le connaissez. Alors, monsieur le maire de Haut-Jura, une deuxième. Pour nous arriver à la rentrée prochaine. Mais cette fête, dans ce Haut-Jura, symbole d'activités économiques, qu'elles soient agriculture, forêt, qu'elles soient environnement, et au sujet de cet environnement... Je suis ici avec M. Carminati, qui est conseiller général du canton, et qui est en même temps le président du CITCOM. Alors, j'aimerais d'abord vous demander, qu'est-ce que c'est que le CITCOM ? Le CITCOM, c'est le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères. C'est-à-dire qu'il a la compétence et la responsabilité de tout ce qui est ordures ménagères dans le canton, dans l'arrondissement de Saint-Claude exactement. Ça déborde largement le canton. Et alors, à ce titre-là, c'est vous qui êtes un peu responsable de la mise en place de cette expérience pilote dont on apprend que c'est la première fois qu'elle se déroule en France ? Exactement. Mais cette expérience ne se déroule pas uniquement sur l'arrondissement de Saint-Claude, mais s'inscrit dans le schéma départemental du CIDOM, donc syndicat départemental, dont je suis le fondateur depuis 1988. Et alors, quels sont les buts que vous recherchez, en fait, indépendamment du choix et, ou du tri des déchets, est-ce que vous espérez apporter peut-être une expérience au pays dans le fond, quel est le but que vous poursuivez ? Le but, à l'échelon départemental, nous allons construire un centre de traitement des déchets ménagers qui concerne du compostage, du tri pour du recyclage, une usine d'incinération avec récupération de chauffage, chauffage urbain, et en période d'été, un projet de déshydratation de fourrage qui permettra de remplacer sur la nappe phréatique de l'Anse-Saunier la culture du maïs qui est grosse consommatrice d'engrais, de nitrates, gourmande en eau, par de la luzerne, 700 hectares de luzerne au lieu de 700 hectares de maïs. Alors pour arriver à ce que ce centre départemental soit opérationnel et surtout soit fiable et soit optimisé au niveau de ses résultats, il faut donc conditionner et préparer les déchets de tout le département. C'est-à-dire, pour éviter de transporter très loin des matières qui peuvent être recyclables, les trier d'abord à la source, le papier, le carton, le verre, le plastique, déjà par l'usager, ce qui nous évite de le transporter, et ensuite on trouve une filière pour le recycler. Éviter de transporter, de trier à l'entrée de l'usine. Ce qui permet de réduire les coûts. Ce qui permet de réduire les coûts, bien entendu, d'avoir des déchets propres. Il semble que Longchaumois fait partie de cette expérience pilote. Longchaumois fait partie d'un volet de cette expérience pilote particulier, qui est les composteurs, qui est le composteur individuel par maison individuelle, par pavillon, c'est-à-dire un composteur pour que les gens, au lieu de mettre leurs épluchures de pommes de terre, leurs déchets végétaux, leurs tonnes de gazon dans les sacs à ordures, les compostent elles-mêmes, fassent elles-mêmes leur compost pour leur jardin. C'est une expérience qui est menée sur 5 communes du Haut-Jura et qui rencontre un grand succès. Donc, un centre de tri, un incinérateur qui va être construit aussi à l'automne. Alors, le chantier commence au mois de septembre 92. Et qui pourra traiter un certain nombre de tonnes de produits ? Qui traitera tous les déchets du Jura. C'est un centre de traitement départemental. Mise en service à quel moment ? 94. 2 ans de construction, en gros. Et donc ensuite, cette expérience pourrait se répercuter un peu à d'autres endroits en France ? Bien, on est à l'heure actuelle, on a une expérience pilote, on est même
un petit peu pilote dans la communauté européenne. C'est la première fois où il y a un projet aussi pas aussi important, parce qu'il y a des centres plus importants que le nôtre en tonnage, mais aussi intégrés, c'est-à-dire où on trouve du tri, du recyclage, du compostage, de l'incinération avec, bien sûr, récupération, valorisation de la chaleur, et puis aussi les rebuts qui seront mis, conditionnés en décharge contrôlée, puisque au final, il reste toujours des non-traités, des non-incinérables qui finiront, hélas, en décharge. Une expérience qui est particulièrement d'actualité à une période où on parle précisément de ces transports de déchets interfrontières qui, semble-t-il, dérangent un peu tout le monde et puis qui ne sont pas toujours de très bonne aloi. Qui dérange tout le monde parce que personne ne sait, à l'échelon national et à l'échelon international, spécialement pencher sur ces problèmes, où chacun se déresponsabilisait, envoyait chez le voisin, lequel le voisin était content de prendre parce que ça faisait rentrer des devises, il faut dire ce qui est. Hein. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est responsabiliser l'ensemble de la population, les élus, de manière à ce que chacun garde chez soi ses déchets et en fasse son affaire. En tout cas, je vous remercie de cet entretien et je vous souhaite un plein succès pour cette expérience pilote. Ah oui,
Thank you.
Thank you.